Out of paradise, not if. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Captain 34 et on se retrouve pour un nouvel épisode de Sans Argent mais de la qualité, l'épisode 11. Et dans cet épisode, on va ouvrir le pack du lundi tout simplement, car on a un pack et on a une belle équipe de la semaine, hein, les gars, donc je vais aller vite fait vous la montrer. Donc on a une très très belle équipe de la semaine, je vais vous montrer les joueurs principaux. On a Alain Golan, on a du Miller, du Neymar, on a également du Konopienka qui a fait un bon match face au Real Madrid. Donc on a également du Lacazette, du Parejo et c'est tout, il y a du Winter ici, du Paco Alcacer et du Camara Hero, pourquoi pas. Donc pourquoi pas choper une de ces cartes ou alors une bonne carte qui vaut les crédits. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc on est parti. On ouvre notre pack. Ce serait bien d'avoir une bonne carte. On ouvre le pack. J'espère avoir du lourd. Et nous avons... Non, Sané. Sané, c'est pas du lourd. Donc on a eu d'autres joueurs. Donc les joueurs, on va les mettre... Ah, Oshis, donc ça c'est bien ça. Mais je vais le garder dans mon club. Donc ça, ça va dans la pile. Je vais les vendre. Ça également dans la pile, ça aussi, la carte MLS aussi. Ah, on a un pack et on a 1000 crédits, donc ça c'est bien. On a un pack argent et on a 1000 crédits. Les styles, je vais également les mettre en pile et ça, je garde tout. Voilà, comme ça c'est fait. On va s'ouvrir le petit pack argent. Je n'aurai rien dedans, donc on va le skipper. Voilà, on va garder... tout simplement ça et tout, ouais, tout le reste on va le mettre dans la pile et on va essayer de les vendre. Voilà, ça c'est fait, comme ça c'est fait. Donc on quitte et on va aller voir qu'est-ce que j'ai vendu lors du précédent épisode. Donc on a vendu Mbola à 350, on a vendu la carte MGAG à 550, on a vendu une carte MDAD à 1400 et on a vendu une carte ça c'est pilier je pense, je sais plus, à 700. En tout cas les gars, on a gardé des trucs, hein, je pense, hein. Il y a le truc, voilà. Donc ça, non, je le vends pas en vente rapide. Tout ce qui ne s'est pas vendu, je vais les vendre en vente rapide maintenant. À part la carte +6 là. Si c'est pas parti, ça ne partira pas. Hein. Voilà, on va pas chercher midi à 14h, on va faire ça tout de suite. Voilà, hop, le petit sirop, ici Okazaki, et la carte AGMG. Par contre, je vais attendre un peu avant, enfin, je vais pas la discard, quoi, mais non. Ça, c'est fait. Alors, les cartes, là, que vous voyez, enfin, que vous avez vues, je vais les lister après, parce que là, j'ai pas trop le temps. On va aller faire les matchs, tout simplement, donc... On est en division 8 avec 7 points. Donc 7 points en combien de matchs? Donc 7 points en 3 matchs. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il nous reste 7 matchs à jouer. On peut... si j'ai 7, 10... Ouais, on peut avoir le titre aujourd'hui si on gagne nos 3 matchs. En tout cas, on peut se maintenir aujourd'hui. J'espère me maintenir aujourd'hui, sinon ça va être un épisode vraiment merdique. Donc, on va commencer avec l'équipe 2, vu qu'on a un joueur qu'on a mis d'un contrat et un blessé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un contrat chez Ogbonna. Voilà. Et en plus, ils sont fatigués, en Barclay, donc on va faire ça. Captain 34 FCB, nickel. Ah, il est blessé aussi. Est-ce que j'ai une carte? Non, je n'ai pas de carte. Ah si, j'en ai une. Génial. Génial, j'en ai une. Heureusement les gars. On est parti les gars, on est parti pour notre match. Donc on se retrouve tout de suite dès que j'ai un adversaire. On est parti les amis, on a trouvé une équipe de Barclays Premier League. Beaucoup de joueurs de City, beaucoup de Français également. Très beaucoup de Français. En fait, il y a juste Navas et Welbeck qui ne sont pas Français. Donc le reste c'est une équipe entièrement française.
Donc, les amis, on est parti. Velolo Team, ok. Donc, à mon avis, ça va être un français. Hein. Donc, on est parti, les amis, pour ce premier match. Let's go! Allez, Ilmaz! Oui, Ilmaz! Bien joué! J'ai vraiment cru que j'allais pas la mettre, les gars. C'est pour ça que j'étais en train de me concentrer et j'ai pas parlé. Parce que bien souvent, Ilmaz, en ce moment, il me ratait mes frappes. Et là, ça fait plaisir. But de Burak Ilmaz, 1-0. Allez, Burak, la frappe. Et oui! Et c'est bien! C'est ça que je veux voir, Burak! Mais oui, deux frappes de but, c'est ça que je veux voir. Bien joué, Burak Ilmaz. Et là, je le retrouve, mon petit Burak. Parce que franchement, je l'avais testé sur un compte à moi et un compte sans faire des vidéos dessus, et il était énorme. Et là, dans cette série, il s'est un peu perdu. Et là, je le retrouve et ça fait plaisir. Schneider, oh le poteau de Schneider, la transversale, tout l'orlaxe, la tête, dommage. Allez, on continue comme ça les gars, on est vraiment bien, mon adversaire n'a pas le temps de respirer et ça j'aime bien. Allez, Van Persie, on tente la frappe, oh la faute là, encore une fois. Et il me l'a complètement défoncé mon Van Persie là. Schneider, deuxième. Schneider, but! Yes! Ça, en même temps, voilà. Schneider, bien souvent, les coups francs, ils sont très très mal donnés. Donc, coups francs, corner et tout. Donc, ça fait plaisir, là. Troisième but du match, ça fait plaisir. Bon, mais pour le moment, les gars, je peux le dire qu'on domine. Hein, que je domine. Ça fait plaisir. Mon adversaire n'a pas eu une seule frappe. Je l'atomise, je l'asphyxie, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc le mec, je le presse à fond, quoi. J'aime bien ça. Avec cette équipe-là, c'est vraiment ce que je fais de mieux. Donc ça fait plaisir, 3-0. Et je ne compte pas rester là. Non, bien gardien. Bien. Allez, continue comme ça, gardien. Sois là quand il faut. Allez, Burak, pour ton triplé. Et voilà, le triplé de Burak Ilmaz. Et une petite roulade par d'ailleurs aussi. Enfin, par d'ailleurs, ça se dit pas, bon, c'est pas grave. Ça fait plaisir. Triplé de Burak Ilmaz. On continue. Oui, ben, beau pressing. On va. Hop, on va marquer ce but. Voilà, 5-0. Franchement, mon adversaire, il n'a pas l'air. Il a l'air démotivé, quoi. Il a l'air démotivé. Il est en train. Il sait plus quoi faire, tout simplement. Donc, ça fait plaisir. 5-0. Et voilà, là il va savoir quoi faire, c'est-à-dire le rage kit. Bye bye, voilà, ça fait plaisir. Moi ça m'arrange parce que ça me fait gagner un peu de temps. Donc ça fait plaisir les amis, un petit rage kit. Donc on se retrouve pour le deuxième match. Je vais juste aller vous montrer les stats in-game. Donc voilà, une claire domination. Ça fait plaisir, on obtient 3 points, on obtient le maintien. Et il ne reste plus que 5 points pour avoir le titre. Donc, et 2 points pour avoir la montée. Donc on peut avoir la montée dans cet épisode. Enfin, dans le prochain match. Donc les amis, on se retrouve tout de suite. Ben, les amis, vu que j'ai Fellaini qui est blessé, on va le sortir. Et je vais faire rentrer quelqu'un d'autre. Voilà les amis, j'ai été chercher le joueur qu'il me fallait. Donc il a lui aussi joué en D1 belge. Il a joué à Anderlecht, il est MDC, il a joué DC et MDC à Anderlecht et il s'agit de Kouyaté tout simplement. Kouyaté qui est vraiment très très bon dans ce jeu, j'ai pu le tester
et franchement il est abusé. Donc j'espère qu'il sera aussi dans ce club là, donc dans mon compte là. Donc on est parti les gars pour aller faire le match, et de toute manière si ça ne va pas avec Kouyaté, il y aura toujours notre ami Fellaini qui sera là pour rentrer. Par contre les amis, ce que je dois faire c'est une chose, vu que Fellaini est blessé, je dois le prendre et le mettre là pour que sa blessure s'arrête, plus simplement. Voilà, comme ça c'est fait. Donc les amis, on se retrouve pour le deuxième match de la vidéo. Eh ben on est parti pour le deuxième match les amis. On a droit à également à une D1 turque, hein. Donc moi ici j'ai ma Barclay Premier League, mais ici on a droit à une D1 turque à peu près avec les mêmes joueurs que moi, sauf qu'il a mis Cavanda en défenseur droit, un autre MDC et tout. Mais il a une belle équipe de Turkish League, donc on va faire enfin de Super League plutôt. Moi j'aime bien dire Turkish League, bon c'est pas tellement grave. Les amis, on est parti pour les meilleures actions de ce match. La tête et le but, ma spécialité, yes, ça fait plaisir. Deuxième minute de jeu, but de Olebas, je dis pas de bêtises, ça fait plaisir ça. Donc on est bien parti, donc va falloir continuer dans ce rythme. Je pense que c'est bien les basses. Et c'est les basses. On continue comme ça. Et pour la personne qui me disait que les basses n'est pas une pépite, je ne parle pas de son âge. Il est une pépite dans FUT. Le mode carrière, c'est pas une pépite. Ça, j'ai jamais dit ça. Donc pour ça, c'est pour ça que ça m'avait interpellé. La personne qui m'avait dit ça a mal compris ce que j'ai dit. C'est une pépite dans FIFA Ultimate Team. Et une pépite dans FIFA Ultimate Team, c'est un joueur qui coûte pas cher et qui a de bonnes stats. Donc voilà, comme ça, je mets les points sous les i, même si c'était pas méchamment. Allez, on est parti pour la suite de ce match. C'est bien joué ça, c'est bien joué. Wijnaldum, le poteau, mais non! Le centre, la tête, elle laisse encore une fois sur le poteau. Hein. C'est un truc de fou les gars, j'en ai ras le cul les poteaux moi. Faute. Ah, il y a penalty carrément. Ah ouais, je pensais qu'il y avait coup franc moi. Ah bah tant mieux, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal ça. Un petit péno. Donc bon, moi et les pénaux, on sait c'est quoi hein, la suite. Mais bon, on va quand même essayer de la mettre. Hein. Yes! Ouh, j'ai eu peur. Quand j'ai vu qu'il partait du bon côté, les gars, j'ai eu très très peur. Mais ça fait quand même plaisir. Allez, je prends le poteau avec. Yes les gars, 2-0. On continue comme ça, ça fait plaisir. Oh, il est magnifique ce coup franc. Il est splendide. En même temps, c'est Schneider, les gars. Et c'est une erreur de ma part de lui avoir donné un coup franc. Ouais, mais bon. Ce qui me fait chier, c'est que c'est sa première occasion et qu'il la rentre au fond. Mais bon, c'est pas grave. Ah non. Pas bien, gardien. Et là, ça va lui donner confiance et j'aime pas ça. C'est quoi cette passe? Ça sent mauvais là, ça commence, il commence à y avoir des trucs bizarres là dans ce match. Bon ben les amis, pour le moment c'est un score de 2-1. On a fait exactement le même nombre de frappes, cadrées. J'ai 55% de possession, ils en ont 45. C'est un match assez équilibré, donc on va continuer comme ça. Il faut absolument marquer le troisième but. Sinon, il y a un penalty ou un coup franc ou alors un compte favorable qui pourra faire le 2-2 et ça me rassure pas. Ça me rassure pas, donc il va falloir marquer un but là. Putain!
Shakiri, oh il était bien donné, fait chier. Bon c'est pas grave. Elle passe là-bas. La lenteur de la passe, quoi. La lenteur de la passe. Allez, le centre, il est magnifique. Oh, le but! Et le gardien s'est trouvé. Le gardien s'est trouvé, mais c'est pas plus mal pour moi. Yes, les gars. Ouf. Ça me rassure. Par contre, le gardien, je sais pas ce qu'il a foutu. Magnifique centre. Le gardien, il a fait une boulette, mais incroyable. Une boulette internationale. Rashkit? Non. Quand même pas. Quand même, tu vas quand même pas racheter pour ça. Pour un 3-1. 3-1, tu peux revenir. Hein. T'as encore le temps, hein. C'est à la 55e. S'il te plaît, tu vas quand même pas racheter. Moi, ça m'arrange. Ça me fait une vidéo plus courte. Et ça me fait beaucoup moins de montage. Mais bon, non. Pas de racheter. Il fait rentrer Gokhan Toré et Mehmet Ekissi. Ok. Allez, on continue comme ça, les gars. C'est parti, mon kiki. Bien gardien. Non 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 non. Bien. Oui. C'est bien ça mon gardien. Il m'a sauvé là le gardien. Ça fait plaisir. Oh oui c'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué. Oui je la double. Le gardien. Allez la frappe. Mais non pourquoi t'as avancé poteau. C'est quoi ce délire. Mais non. Mais c'est une blague là. Mais c'est une foutue blague. Pourquoi il a avancé. J'ai demandé de frapper, le mec il avance. Et en plus après il frappe et la balle va sur le poteau quoi. Non mais c'est une foutue blague. Ah là là bordel. Oui, allez. Allez, c'est but ça. Ah oh, dommage, belle défense. Ah mais non, mais la blague quoi. Ah là là, mais bon c'est pas grave. C'est pas grave. Mais bon, je suis quand même déçu quoi. Je suis quand même déçu. Allez, Welbeck. Welbeck le poteau, mais c'est pas possible. Purée. Mais please, quoi. C'est incroyable. Oh, deux poteaux de suite, quoi. Mais non, mais je suis abonné au poteau, moi. Faudrait que je demande à retirer mon abonnement au poteau, parce que là, ça commence à être abusé, là. Rien que 3 poteaux dans ce match. C'est génial. Allez, on continue. Encore un poteau. J'ai cru que ça a touché le poteau, les gars. Ah non, mais je partais pour marquer un but. Mais non. J'étais tout seul. Regardez, j'étais tout seul. Hein. C'était le seul joueur. Mais bon, c'est pas grave. On a quand même gagné. Ça fait plaisir. Donc, on va aller faire le troisième match en sachant qu'on sera quand même, de toute manière, en division 7. Ça fait plaisir, ça, les amis. Franchement, le but à la deuxième minute de jeu m'a vraiment donné beaucoup de confiance. Et ça fait plaisir. Donc ici je ne pense que les stats devraient être équilibrés. Bah non, ouais, à peu près. J'ai quand même plus dominé que mon adversaire. Donc ça fait plaisir, ça les amis. On obtient les 3 points et synonyme également de montée. Maintenant il faudrait réussir à gagner notre match et on obtiendrait le titre. Et en plus de cela, on ferait une saison sans perdre. Ce qui n'a jamais été le cas pour le moment à cause de magnifiques bugs. Je dis pas non. Donc ce serait bien qu'on le fasse. Donc les amis, on est parti, on se retrouve tout de suite. Et on est parti pour le troisième et dernier match de la vidéo. Ce sera une petite Barclay Premier League qu'on va affronter. Une belle équipe, hein, une belle équipe de Barclay. Petit budget bien évidemment. C'est pour ça que je dis belle équipe, une belle équipe en petit budget. Donc, par contre, Ospina, je pense pas que j'aurais fait ça, moi. J'aurais certainement pas mis Ospina. Donc, on va voir s'il a eu raison de le mettre. On est parti pour les meilleures actions de ce match.
Oh l'action, oh l'action, mais frappe! Mais please quoi! J'ai fait une action 5 étoiles et j'ai demandé qu'il frappe dès son premier contrôle, bah même avant. Et allez, il a même pas frappé! Tente au moins, mais fais quelque chose s'il te plaît quand je te le demande. Allez quoi, franchement là j'avais une occasion 5 étoiles de marquer. Et encore une fois, j'ai envie de dire, si c'est pas le jeu, c'est quoi qui m'empêche de marquer? Ma manette? Non, parce que j'appuie. C'est, pour moi, c'est le jeu là qui m'empêche de marquer là. Parce que j'ai demandé un truc, ça me l'a pas fait. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de se reconcentrer. Et aller marquer un but. Hein. Allez, la frappe. Et voilà, cette fois-ci, tu frappes et c'est but. Voilà, Van Persie. Yes. Oh, j'ai vraiment eu peur qu'il frappe pas. Hein. Franchement, là, j'ai vraiment cru qu'il n'avait pas frappé. Ça fait plaisir, les gars. But. On continue comme ça et il faut marquer un deuxième but maintenant. Pas pour lui. Il faut surtout pas s'en prendre un. Oh. C'est quoi ce but? Voilà. Je vais rien dire. Je vais rien dire. Oh la frappe! Dommage! Et franchement, je fais des actions incroyables dans ce match. Je me crée vraiment des belles actions. Mais malheureusement, la chance ne me sourit pas. Schneider! La frappe et le gardien! Dommage! Bon, mes amis, la chance ne me sourit pas hein, pour le moment. Donc, je suis assez déçu. Mais bon, c'est comme ça, hein, les gars. On peut pas avoir tout le temps de la chance. Donc, on continue. Allez, la frappe! Et le poteau, mais non! Mais c'est pas possible, les gars! Mais j'en ai marre! Voilà, un adversaire avec de la chatte et un adversaire sans chatte, c'est-à-dire moi! C'est incroyable! C'est vraiment incroyable, les gars! Ici, dans ce match, j'ai beau tout faire, je fais le jeu, je fais des putains d'actions, je le dis haut et fort. En fait, il faut mal jouer pour gagner un match. Enfin, faut pas forcément mal jouer parce que j'ai pas mal joué dans les précédents matchs. Mais faut pas créer des belles actions. Faut pas se casser le cul à créer des belles actions pour gagner un match, quoi. C'est un truc de malade mental. Le beau jeu, faut l'oublier dans le jeu. C'est hallucinant. Franchement, je ne suis plus ce jeu. J'arrive pas de me créer des belles actions. Comme ici, encore une fois, c'est encore une super action. Là, bon, j'ai quand même appuyé sur le R1. Là, logiquement, la passe, elle aurait dû être un peu plus puissante. Mais bon, voilà. Bref, quoi. C'est hallucinant. Mais ils sont sérieux avec leur passe, là! Oh mais non, mais faut arrêter là. Mais non, mais c'est lui qui me bourre dedans et c'est moi qui fais faute. Hein. Je me fais voler ce match les gars, c'est un truc de malade mental. Bouh, j'en ai ras le cul, j'en ai marre là. Ça y est, il suffit que je dis avant le match que... Ce serait bien que je ne perde pas mon match pour que ça reste à zéro, pour que j'ai des choses comme ça qui se passent. Et si un mec bronche dans les commentaires, ah ben il a qu'à broncher. Je suis désolé. Je fais le jeu, je fais des actions incroyables. Je construis à des pas, je fais des super actions. Ça passe pas. Le mec qui fait un tout droit, un compte favorable ou quoi, et ça passe.
Non, 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 je peux pas tolérer ça, je suis désolé. Je suis désolé, je peux pas tolérer ça. Donc voilà les gars, en plus de ça, je fais deux poteaux également. Hein. Ça aussi, hein, j'ai oublié de le dire. Le retour du coin-coin. Mais bon. Voilà quoi les gars. C'est comme ça. On n'aura pas le titre dans cette vidéo. Allez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ce but. Avec... Il fait un poteau. La balle lui revient dessus. Comme par miracle. Moi, en tout cas, c'est sûr que ça ne reviendrait pas dans mes pieds, moi. Mais bon, allez les gars. On va abandonner. Ça m'a saoulé ce match. Franchement, il m'a saoulé. Parce que je fais le jeu. Alors certes, il a les occasions et tout. Mais moi, si je fais pas mes deux poteaux, j'ai 5 tirs, 5 tirs cadrés. Voilà. Et lui, là, sa plupart des frappes, il les a faites de loin. Donc franchement, moi je n'ai rien à me reprocher. Chaque personne a ses avis. Je sais que ça va encore dire arrête de rager les commentaires, mais je fais ce que je veux. Si vous dites que c'est de la rage, ben, c'est de la rage pour vous, tant mieux. Moi je sais ce que je dis. Donc voilà les amis, c'est bien joué mon adversaire. Je vais me calmer. Il a eu de la réussite, il en a profité. Il m'a battu, avec un peu de chance, mais il m'a battu. C'est lui qui a raison, je suis en tort, j'ai pas fini mes actions. C'est comme ça. Mais je n'ai pas été aidé, tout simplement. Donc voilà les amis. On avance. Et donc on a 13 points sur 15. Il nous reste 4 matchs à jouer. Si je n'arrive pas à avoir 2 points en 4 matchs, franchement, ce serait la honte. Et vous dire, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Captain 34, prenez soin de vous. Ciao, ciao!